Arrête de remuer comme ça. T'as vu, Caro? Boule aussi va au toilettage. Mais je suis vraiment obligée d'aller manger avec le patron de papa, moi. C'est pas le patron de papa, c'est seulement un client très bavard et très ennuyeux. Faut vraiment qu'on vienne avec toi, chérie. Oui, bien sûr, il nous a tous invités. Ouais, il aime bien avoir un public pour l'écouter. Il est peut-être ennuyeux, mais c'est un client très important. Si ça se passe bien, il me fera confiance et ce sera à moi de réaliser sa campagne de pub. Allez, c'est important pour moi. Je compte sur vous pour que ça se passe bien. Bon, d'accord, on va y aller. Toute la famille doit soutenir papa. Heureusement qu'il y aura Bill et Caro. Sinon, je mourrais d'ennui, c'est sûr. Ah non, les animaux ne sont pas autorisés au restaurant. Attends, je rêve là où il vient vraiment de dire... Non, non, non. Ou alors j'ai peut-être rêvé aussi. Bill et Caro, vous allez rester seuls à la maison jusqu'à 16h. Et interdiction de faire des bêtises. Mais attends, nous faire des bêtises? Mais il est complètement ouf. Allez hop, on va être en retard. Un câlin, un câlin, un ca... Un câlin, un câlin, un câlin. Un câlin. Un câlin, un câlin. Ouais, bah c'est comme si on faisait plus partie de la famille, nous. C'est vrai, mais... pourquoi est-ce que tu chuchotes? J'en sais rien. Pourquoi tu chuchotes, toi? Bah, parce que tu chuchotes. Hé, Robin, mais pourquoi? Robin a raison. On est tout seul à la maison, là. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est vrai, ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais, une boum. Ouais, génial. Il faut qu'on prévienne plus Ming et puis aussi Loulou. Je m'en occupe. Quoi? Une boum? Hey, boum. Une fête chez Bill? Tout de suite. Je ne l'ai pas écouté, bien sûr, je m'y connais tout de même. Ce genre d'obligation, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous le dis, moi. Vous jouez en bourse? Vous devriez. C'est de l'argent facile. Vous avez vu le film Wall Street? Un film absolument génial, je vous le conseille. Avec cet acteur aux yeux bleus là, je sais plus... Enfin bref, vous voyez, ma femme l'adore et pourtant elle aime plutôt les... Boule, tiens-toi bien s'il te plaît. Mais lui, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais. Moi je suis plus football. Ah oui, d'accord. Bienvenue chez nous. Ah ouais, sans les mettre ça fait super gros, dis donc. Et toi tu touches à rien plus, t'es trop maladroit. Au contraire, aujourd'hui on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, bravo. Hop. Bon, pour commencer, je vous propose une petite partie de croquette ball. C'est quoi le croquette ball? C'est un jeu que je viens d'inventer et qui se joue dans la cuisine. Au croquette ball, faut attraper les croquettes en plein vol. Celui qui en croque le plus gagne. C'est bon? C'est bon. Ah.
J'ai une meilleure technique, moi. Alors, il est mieux. Ouais, d'accord. Mais vu qu'il cherchait quelqu'un... C'est dommage que Bill ne soit pas là. Il aurait pu m'aider à vider mon assiette. Ah, ça fait toujours du bien d'être déchiré. Bon, ça veut dire qu'il faudra parfaitement s'organiser. Mais je compte sur vous pour ça. Ouf, c'était trop cool. Maintenant, j'ai envie d'écouter de la musique installée bien tranquillement sur un beau tapis. Installe-toi dans le bureau de papa. Il y a une radio et tout ce qu'il faut. Cool. Et moi, je vais me faire un petit goûter. J'ai toujours rêvé de tester ce beau frigo dans la cuisine. Oh. Moi, je vais aller me pomponner dans la salle de bain. Mon poil n'a pas été lavé depuis... ce matin, il serait temps. Allez, viens, Robin. Nous, on va aller pousser la tondeuse. Ça nous fera comme une petite voiture. Bon, ben, moi, je vais me faire une petite sieste. Oh là là, c'est vraiment délicieux. Vous cuisinez, vous? Moi, je ne cuisine jamais. J'adore manger. Attention, mon chéri, vise la bouche la prochaine fois. Non. Quoi? Oh. Oh là là. Qui a fait ça? Pas moi. J'étais en train de me pomponner tranquillou dans la salle de bain. C'est ça, se pomponner tranquillou? Vraiment, les copains, vous manquez de respect. C'est pas moi qui ai mis le bazar. Attends, Bill. Moi, je me suis juste couché sur le tapis. Faut me croire, je te le jure. Ouais, bien sûr. T'es comme les autres, c'est tout. Oh, mais non, mais c'est pas moi. J'ai rien fait de mal, tout était rangé. Moi qui croyais que vous étiez des potes. En fait, non. Vous êtes des faux potes, les pires de l'univers. En plus, tout le monde va bientôt rentrer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, parce que nous, on s'en va. Puis il a qu'à se débrouiller tout seul. Au lieu d'accuser tout le monde alors qu'on n'a rien fait du tout. Ouais, c'est ça, partez. Mais c'est pas vous qui me lâchez. C'est moi qui vous renvoie. Et je veux plus jamais vous revoir. Vous entendez rien, vous? On dirait un truc qui couine. Oups. Mais laisse-moi deviner, c'est toi qui as mis la cuisine sans dessus-dessous. Je parie que c'est toi qui as mis le bazar dans le bureau. C'est toi aussi qui t'es amusé à tout renverser dans la salle de bain. Vilain minou, caporal. Tu te rends compte qu'à cause de toi, Bill était en train de se fâcher avec ses amis? Edward. Les copains, je suis désolée. Bon, allez, on n'en parle plus.
Et super fête, Bill, hein. À la prochaine. Merci, Bill. On se voit demain. On remet ça bientôt, hein. Poule, je tiens à te féliciter pour ton comportement. Tu as été parfait. Vous m'avez tellement manqué. Tu vois, mon chéri, c'était pas la peine de t'inquiéter. C'est vrai. Bravo, Bill. La maison a été bien gardée grâce à toi. Pfff, quelle journée. Mais ça valait le coup de l'écouter parler. Bravo pour ton nouveau contrat. Je suis très fière de toi. Et si on buvait quelque chose pour fêter ça? Qui veut quoi? Oh. Oups. Bon, bah au moins, vous vous êtes amusés, vous. Non, mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut à la fin? Attends un peu que je t'attrape. Tu vas voir ce que tu vas voir. Sois sage, mon chaton. Maman va faire les courses. Oui, bah dépêche-toi, moi j'ai faim, moi. Alors, Bill, il te plaît ton cadeau d'anniversaire? Ah ouais? Il est cool. Bonjour, Madame Stick. Bonjour. J'espère que nous n'avons pas été trop bruyants hier soir. Pas du tout, je n'ai rien entendu. Rien de tel que de se coucher tôt pour être opérationnel dès l'aube. Vous avez raison. Rien de tel que de se lever avec les poules pour... En fait, nous avons fêté l'anniversaire de mon mari et celui de notre Bill hier soir. Ils sont nés le même jour. Votre mari fait plus vieux. Oh. Le même jour, mais pas la même année, heureusement. Bill, lui, n'a que 5 ans. Et toutes ses dents. Fêter les anniversaires est parfaitement inutile, à mon sens. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le mien. Oh, je vous souhaite un joli... Laissez, je n'y accorde aucune importance. Bon anniversaire, Madame Stick. Merci quand même, mon garçon. Et bon anniversaire, Bill. Bon anniversaire, nanana. C'est tellement ringard, les gâteaux, les bougies et les cadeaux tout moches. T'inquiète pas, peluche mité. On n'est pas prêt de te le souhaiter, ton anniv. Les cadeaux, tu peux faire une croix dessus. Ah, si c'est pour recevoir des os. À plus tard. À plus tard. Elle déteste ça. Mais l'anniversaire, c'est le plus beau jour de l'année après Noël. Elle n'est vraiment pas marrante, Madame Stick. Tu sais, Boule, une fête quand on n'a ni famille ni amis, c'est un peu triste. C'est aussi pour ça que Madame Stick est parfois un peu... enquiquinante. On va dire ça. Réunion secrète et privée, mon vieux. Personne ne monte. Je parie que cet horrible coquère est en train de mijoter un sale coup. Tu devrais pas le défendre, gentil comme tu es. Tu mourras pas, caporal. Je te connais trop bien. Allez, ouf, retourne chez toi. Je vois ta queue, vilain. Oh, viens par là, toi, viens. Elle est bizarre parfois, Madame Stick. Ouais, elle fait un peu peur et en plus, c'est une espionne. Tu te souviens de tous les gadgets qu'on a trouvés dans son sous-sol? Ouais, trop bien. Et quand j'étais malade, elle m'a offert un jeu qu'elle avait inventé elle-même. Genre casse-tête, hyper compliqué, j'ai jamais trouvé. J'étais encore plus mal après. Bah, ça t'a occupé, mais bon. Elle m'a quand même souhaité un bon anniversaire. Alors, on décide quoi? On vote? Qui est pour? L'opération anniversaire de Madame Stick est lancée. Au travail. Et pas un mot à caporal, il ferait tout capoter, jaloux comme il est. Les chats tombent du ciel aujourd'hui. Il va faire beau. Rigole, rigole. Avant la fin de la journée, je saurai ce qu'il fabrique, que tu le veuilles ou non. T'es vraiment trop susceptible, caporal. D'abord, il faut rentrer chez elle et déverrouiller la porte. Mais c'est interdit, ça. C'est pour une bonne cause. Elle va être super contente, tu vas voir. Bah j'espère, hein, parce que sinon on va se faire super disputer. Et quand Madame Stick elle est en colère, on a intérêt à se cacher. Écoute, si t'as pas envie de participer à la surprise, il fallait pas voter. Et puis tu peux toujours partir sinon.
Stop. Ce n'est pas le moment de se disputer. Ça va aller, Pouf. On lui expliquera pourquoi on est entré et ça ira. Ensuite, j'apporterai les cadeaux et le gâteau dans son salon. Pouf et Noisette, vous, vous retarderez Madame Stick tant que tout ne sera pas prêt. Comment on fait? On trouvera. Pendant ce temps-là, avec Bill et Caro, nous, on installera tout. Et voilà, une baguette bien cuite. Je vois ça. Un peu plus et elle aurait été calcinée. Vous devriez vous acheter des lunettes. Il est beau ce pot à crayon. Elle va être contente. Et voilà, une belle bougie d'anniversaire. Super, et je suis sûre qu'elle va adorer le portrait de Caporal. Celui que j'avais fait quand fallait dessiner un chat à l'école. Ah bon, t'appelles ça un chat, toi? Pouf, hein? Tu le tiens à l'envers. On y va? Pouf, n'oublie pas, Bill te fera le signal quand elle pourra rentrer chez elle. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'il mijote? Bonjour, Madame Stick. Attendez, je vais vous aider. C'est trop lourd, ça. Je vais vous le porter. Pas les pattes. Je suis encore capable de traverser la rue toute seule. Lâche ce cabas, toi. Qu'est-ce qui vous prend? Attention. Regardez ce que vous avez fait. Mon pain est tout sale. Il faut que je retourne à la boulangerie. Désolé, on l'a pas fait exprès. On voulait vous aider. On y va pour vous, si vous voulez. Certainement pas. J'irai moi-même. Du large. Allez faire vos roulades et galipettes plus loin. Bon, au moins, on l'a retardé. Ouais. C'est bon, Caro. Il est parti, ce vilain chat. Vilain toi-même. Oui, oui, il est parti. Il ne faut surtout pas que cet imbécile de chat soit au courant. Tout est bien caché au fond de la niche. Caro, tu as fait ce qu'il faut? Affirmatif. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Bien joué, Caro. Il pourrait nous entendre. Sortez-moi de là, bande de lâches. 3 contre 1, je vous aurai. Vous me paierez ça. Très bonne idée, Caro, la cage de transport dans la niche. Toi, la chouchoute à son chien-chien, t'as intérêt à planquer ta carapace. Salut, Caporal. Bonne sieste. Vous ne perdez rien pour attendre. Cuite comme vous l'aimez. De quoi je me mêle? Encore vous. Restez tranquille, je vous ai à l'œil. Madame Stick, vous allez bien? De quoi je me mêle? C'est bon, c'est dégagé, Bill. Tu t'occupes de George. 5 sur 5. Mais attendez-moi, Ron. Viens là, mon loulou. Troisième baguette, Madame Stick? Oui, j'adore le pain. De quoi je me mêle? Ça sonne à la porte. Ça doit être Caro. Au secours! Vite, faut qu'on l'aide à éteindre, George! Vas-y, Boule, je le tiens! Bouge pas la boîte de conserve! Je vais t'attraper. La voilà. Je reviens avec les cadeaux et le gâteau. Bill, fais le signal pour Pouf. On est bientôt prêt. J'y vais. La voilà. Elle s'approche dangereusement de la bouche d'égout. Attention, Madame Stick. Vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Je ne suis pas tombée de la dernière pluie, moi.
Oh, oh, oh. Tout va bien, Madame Stick? De quoi je me mêle? C'était une surprise pour ta maîtresse. T'as tout fait capoter. Vous aviez qu'à me le dire aussi. Tu parles? T'es tellement jaloux et désagréable qu'on peut pas te faire confiance. T'es vraiment trop nul. Retiens-le bien, je vais chercher d'autres gâteaux. S'il bouge une oreille, je lui arrache les poils un par un. Oh cool, un gâteau. Je suis désolée, Madame Stick, mais on n'a plus une seule baguette. Quoi? Bah oui, vous les avez toutes achetées. Tant pis, je prendrai du surgelé. Waouh, super! Où t'as trouvé ça? Ben... ça peut pas être elle, elle a la clé. Ce coup-ci, c'est pas moi, hein. Il faut aller voir avant qu'elle arrive. Vas-y, Pouf. Mais qu'est-ce que tu... Madame Stick n'est pas là? Mais qu'est-ce que vous faites ici en l'absence de Madame Stick? Et le gâteau que j'avais préparé pour elle, qu'est-ce qu'il fait là? Boule, tu réponds, s'il te plaît. Vous venez voir Madame Stick? Oui, on venait l'inviter à dîner pour son anniversaire, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est totalement interdit d'entrer chez les gens sans permission. Je leur avais dit. Et de voler les gâteaux aussi. Elle arrive, elle est à l'entrée du jardin. Vite. Oups. Vite, venez, vous me disputerez après. Maman est de retour, chaton. Tu m'as acheté des crevettes? Oh. Bon anniversaire, Madame Stick. Mais comme c'est gentil. Vous êtes tous adorables. En fait, je me suis trompée ce matin. Vous savez, moi et les dates. Enfin, mon anniversaire, c'est le mois prochain. Voisins sympathiques, gâteaux délicieux, deux très bonnes raisons pour changer d'avis sur les anniversaires. Et n'oubliez pas, on recommence le mois prochain. Oui, enfin, je voudrais encore vous demander d'excuser. Excuse acceptée, mon cher. C'est vrai, ils sont entrés sans autorisation, ce qui n'est pas du tout permis. Mais j'espère bien qu'ils vont recommencer l'année prochaine et toutes les années suivantes pour mes anniversaires. Quand on prend de bonnes habitudes, il ne faut pas les abandonner. Il va falloir faire ça tous les ans. Caporal vous ouvrira la porte. Caporal? À table. Et voilà le travail, ton portrait sur un ballon. Oh, c'est le plus beau des ballons. Bravo, Boule. Bill, à toi. Une tortue volante, c'est trop de la balle. Attrape-la si tu peux. À moi, fais la passe. Et c'est une réception de folie, le public applaudit. À toi, Caro. Et c'est Bill qui récupère le ballon. Enflin, beau ballon. Oups. Oh ben non, mon ballon. Espèce de sac à puce à moustache, tu vas me le payer. Caporal, mais pourquoi t'as fait ça? C'est de la méchanceté gratuite parce que t'es un vrai vilain. Oh, je suis un vilain. Oh là là, on peut plus rigoler. Non, Bill, attention, Madame Stick est là. Viens là, mon gros vilain chaton. Tout va bien, Madame Stick? C'est une calamité, il esquinte tout à la maison. Vraiment? Il a l'air si mignon. Mignon? Un vrai faucheton, oui. Arrête, Bill. Bill, mais qu'est-ce que tu as? Tais-toi donc un peu, tu es impossible. Oh, ces animaux. Si tu continues, c'est toi qui seras puni. Et pourtant, regardez-moi ça, un béret tout neuf. J'avais déjà prévu d'emmener ce garnement se faire limer les griffes. Entre nous, ce sera plus sûr pour ce soir. Pas vraiment mignon. Hasta la vista. Hasta la vista. Oui, c'est ça, ce soir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien, j'ai un dîner de boulot très important avec ma patronne. Papa m'accompagne et Julie, ta babysitter, n'est pas libre. Alors, Madame Stick a gentiment accepté de te garder. Quoi? Mais non, je peux me garder tout seul. Et puis, y a Bill. Toujours prêt.
C'est décidé et Madame Stick est ravie. Elle m'a dit qu'elle te préparerait des jeux. Oh non, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est d'emmener Caroline chez la toiletteuse pour un lustrage de carapace. Elle adore ça. Oh, ma Caro, ça va te remonter le moral. T'as l'air toute triste. Ah bah quand même. Je t'ai à l'œil, mon bonhomme, et je te conseille de te tenir à carreau. Et surtout, limez-lui bien les griffes, c'est plus des rideaux que j'ai, c'est des poireaux. Ah bon? Ouh là là, le vilain. Bon, je vous laisse mon petit monstre. Ouais. À tout à l'heure. Oh là là, le cauchemar, une soirée chez Madame Stick. T'inquiète pas, toi, t'es pas obligée de venir. Et le dîner? On n'a pas pensé au dîner. Oh, pourvu que maman ait prévu un truc. Un truc? Ben oui, imaginez que pour le dessert, Madame Stick nous prépare des croquettes pour chat gratinées avec de la chantilly. Croquettes royales à la caporale. Bill, tu crois que Boule va me faire un autre ballon? Un ballon gros comme ça, encore plus beau que le premier. Au fait, je t'ai trouvé des nouveaux ballons. Tu peux même choisir la couleur. Hein? C'est le béret de Madame Stick que Caporal a abîmé. Il a dû tomber de sa poche. On va lui rapporter au salon de toilettage. Encore toi et ta bande. Arrête, fais pas ton malin, dans 100 minutes, t'auras plus de griffes. Caporal, je te conseille de te tenir à carreau, mon bonhomme. Je t'ai à l'œil. Voilà, voilà, ça va être son tour, madame. J'ai bientôt fini avec... Oh ben ça alors, j'aurais juré entendre Madame Stick. Allez hop, Caporal, c'est ton tour. Je t'ai à l'œil, mon bonhomme. Tu lui as rabattu son caca, Ominet. Madame Stick, c'était toi? Bill, je crois que je viens d'avoir une excellente idée. Bill, calme-toi, qu'est-ce qui te prend? Ben alors, mon mignon, t'as envie de sortir? Évidemment, avec un temps pareil, tu serais bien mieux au parc. Il est intenable. Ce serait possible de prendre un autre rendez-vous pour Caroline? Mais oui, passe quand tu veux. Oh, c'est vrai? Super! On peut emmener Nala en balade avec nous? Je vous la ramènerai après. Ah, c'est pas la peine. Elle rentrera toute seule. Cette gourmande ne raterait son dîner pour rien au monde. Dîner? Où ça? Où ça? Bonjour, une baguette. Et bien cuite, s'il vous plaît. Donnez-moi 4 baguettes, s'il vous plaît. Comment faites-vous pour travailler dans ce vacarme? C'est insupportable. Je n'ai jamais demandé 4 baguettes. Ce marteau-piqueur vous tape sur le système ou quoi? Mais madame, c'est vous qui perdez la boule. Vous venez de me demander 4 baguettes. Ça marche comme sur des roulettes. Hein? Qu'est-ce que... On a oublié un truc? Bill, t'es génial! C'est le détail qui fait tout! T'es trop fort, Bill! Cette boulangère a vraiment un grain! Me voilà avec 4 baguettes! Nala, si t'allais l'observer de plus près... Oh, c'est parti, mon toutou! Voilà rentré, mon chaton d'amour. Mais j'ai du travail. Je ne peux pas m'occuper de toi tout l'après-midi. Alors, chatounet, ça y est, t'as perdu tes griffes? Attends un peu, toi, chaton. Si tu ne laisses pas ce sale ce chien tranquille, ça va barder pour ton matricule. Une opération, je s'impose. Reconnaissance vocale activée. Georges, programme jeu. Papa, loup frisbee, chaton. Chaton n'a plus de grippe, il peut plus rien attraper. Et par pitié, essaie de laisser Bill tranquille. Je te rappelle que vous allez passer la soirée ensemble. Georges, caresse. Oh, ah,
Sois sage maintenant. Et pour le goûter, tu pourrais partager tes croquettes en signe de paix. Jamais. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Jamais. Non seulement t'as plus de griffes, mais tu tiens plus debout, dis donc. Elle t'aurait pas aussi taillé les moustaches? Mais enfin, vas-tu laisser Bill tranquille? Vas-y, tu peux demander tout ce que tu veux pour faire tourner en bourrique cet éclateur de ballon. Je voudrais bien le voir jouer au frisbee, ce gros malin. C'est parti. Oh, oh, Georges, programme frisbee avec Boule et Bill. Salut, caporal. Si on avait su que t'aimais le frisbee, on serait venu plus tôt, hein, mon poteau? C'est pas l'heure du goûter. J'ai comme une petite faim, pas toi? Pourquoi pas un partage de croquettes, hein? Qu'est-ce que tu en dis, mon chaton? Jamais. Georges, croquette. Les vertes. Yum. Prends pas mes croquettes, non. C'est pas bon. T'es pas hyper sympa, caporal. Ta maîtresse t'a pourtant dit de partager avec ton cher ami Bill. Mais laisse donc Bill tranquille. Je te rappelle que vous allez passer la soirée ensemble. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, alors mon bonhomme, jetez à l'œil. Hé, hey, Georges, c'est quoi ce tir? Allez, Bill, file-moi un coup de patte pour retrouver le frisbee. Alors, caporal, et cette partie? T'es prêt à prendre de la pâtée? Bill, au secours! Hasta la vista! J'arrive, Caro! J'ai mal au cœur! C'est bon, je te tiens! Caro, Caro! Bill, sauve-moi! Caro! Oula, mais qu'est-ce que vous avez encore inventé? Georges, au rapport! Qu'est-ce que c'est que ce charivari? Ma parole, on n'est jamais... Oh! Caro, Caro! Bill, descends tout de suite! Caporal! On ne bouge plus! Cause toujours, tu m'intéresses. Oula! C'est pas un perroquet! Une mise au pas s'impose, mon gaillard, mais chaque chose en son temps. Georges, commande vocale. Vrille inversée. Arc avant tous déployé. 28 degrés nord-nord-ouest. C'est bon! Cible appréhendée. Mission presque terminée. Pas si vite, mon mignon. Interception de chaton, de caporal. Madame Stick, je ne sais pas comment vous remercier. Ne cherchez pas, votre délicieux gâteau fera l'affaire. De l'émotion! Jetez à l'œil, mon bonhomme! Aïe, 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 alors là, ça va chauffer. Mamma mia, tous aux abris. Rira bien qui rira le dernier. C'est insensé. Mmh. Vous avez entendu la voix de casserole de cette perruche? Oh, casserole, dîner. Caporal, mais tu as perdu l'esprit. Pour la peine, tu es puni. Pas de soirée avec nos voisins. Georges va s'occuper de toi. J'ai programmé un tas d'activités éducatives. Non. Ah oui, j'ai comme qui dirait eu un petit souci à la boulangerie. Alors pour le dîner, pas de flafla. C'est sandwich pour tout le monde. Ouais. Oui. À 4 pour Boule. Je vais te mettre la pâtée, Bill. Rêve pas trop, je commence juste à m'échauffer.
à 5. Oh non! Waouh, ça dépote! Hourra! Alors, c'est qui va prendre sa pâtée? Tu parles! C'est tellement plus facile avec deux raquettes. Bill, retrouve-moi cette balle, on en a déjà perdu deux. Tu te crois malin, Roquette? Toi, même si t'avais deux truffes, tu trouverais pas une croquette dans ton écuelle. Tandis que moi, avec mon flair légendaire, c'est comme si c'était fait. Il me reste une balle, à mon tour de te mettre la pâtée, boule. Oh, une seconde, ce fumé. Cette odeur délicieuse, c'est... Oh, quel os royal! Une merveille, un trésor, un miracle de la nature. Hey! Merci d'avoir fait mes courses, Bill. Hey! Hey, c'est mon os! C'est moi qui l'ai trouvé! Wow, bravo mon champion, t'as du flair toi, pas comme Bill. Même pas fichu de rattraper la balle. Est-ce que ça va, Bill? T'as rien de cassé? Non, à part ma fierté, ça va. Merci, Caro. Bah alors, mon Bill, ça va pas mieux? Attends, j'ai quelque chose pour toi. Hein? Quelle main? Tu trouves pas que c'est un peu facile pour Bill? Celle-là! Perdu! Hein? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Mais... c'est pas possible! Sens plus rien du tout! Même pas les chaussettes de boule! Oh là là. C'est bizarre que tu sentes plus rien. Ça doit être le choc. T'inquiète pas, le vétérinaire est en vacances, mais je t'emmène le voir dès qu'il revient. Allez, Bill, faut que tu devines ce que Caroline cache, d'accord? Ha ha! Ha ha! Non, désolé, Bill, c'est pas ça. Dernière chance. Ah! Bah non! C'était des choux de Bruxelles. Bon, bah là, je crois que c'est clair. J'ai vraiment perdu mon flair, la honte. Allez, t'inquiète pas, Bill. Nous, on va te soigner. Pas vrai, Caro? Bain de boue aux herbes, ça devrait te faire du bien. Moi... Tu ne sens toujours rien? Rien du tout. Nada, zéro. Laissez tomber. C'est fichu. On m'appellera plus jamais la truffe d'or. Hé, hey Bill, tu viens avec nous? C'est l'heure des poubelles au restaurant. Pourquoi t'as de la boue sur la truffe? Ça? C'est juste un nouveau truc pour aiguiser mon flair. Sacré Bill, déjà qu'il est génial ton flair, mais alors là... tu vas tous nous écraser. Allez, on y va. Oui. Oh là là, Huméa pousse fumée, les gars. Les copains, il faut que je vous dise quelque chose. Alors, les cabots, encore en train de fouiller les poubelles? Mais toi, tu connais rien. Bon, allez, on fait comme d'habitude, on devine nos flairs. Je sens des vieux restes de pizza. Pas mal, mine, tu y étais presque. À moi. Je crois que c'est... de l'ananas. Je vais vomir. Allez, à toi, Bill. Tu vas nous ratatiner comme d'hab. Je t'en prie, montre-nous ton flair légendaire. Pas de problème. Attends, tu vas voir. Ça embaume, c'est puissant. C'est du poulet. Quoi? Y a pas de poulet là-dedans? Si, et je vais le prouver. Et voilà.
Regardez, c'est une recette de poulet rôti. Trop fort, Bill. Oui, c'est bien joli tout ça, mais si tu nous trouvais du vrai poulet. Plus tard, les gars, parce que là, je sens la fourrière. Allez, là. Oh. Oh, allez, Bill, mange, ça va te faire du bien. Ouais, tu parles, même ma gamelle n'a plus d'odeur. Oh, si Roquette apprend que j'ai perdu mon flair, je suis cuit. Alors comme ça, Monsieur Truffe d'Or ne sent plus rien. On va bien rigoler. Oh, délire! Alors ça, c'est drôle. Maintenant, tu peux plus me sentir arriver. Je peux peut-être plus te sentir, mais je peux encore te friser les moustaches. Et ne remets plus jamais les pattes chez moi, compris? T'as gagné un bon bain. Super, un bain, il manquait plus que ça. C'est quand la fin du cauchemar? Toi, le chat, qu'est-ce que tu cherches? Hey, tu m'as fait peur. Bah toi, au moins, t'as pas perdu ton flair, pas comme d'autres. Comment ça? Qui a perdu son flair? Oh, t'es pas au courant? C'est Bill, il ne sent plus rien du tout. Waouh, tu sens trop bon, Bill. Alors, comme ça, il paraît que tu as perdu ton flair légendaire. Vraiment dommage pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ma truffe va bien, merci. Ah bon? Eh ben prouve-le. Rendez-vous au parc dans une heure. Je préviens les autres. Oh, t'as retrouvé ton flair alors? C'est super. Ben non, Caro. J'ai dit ça pour gagner du temps. J'ai toujours le truffomètre à zéro. Toujours pas guéri, mon Bill? Bon, en attendant, faut te changer les idées. Viens voir mon match contre Axel. Ok, comme tu veux. Mais évite les poubelles de Madame Stick. Bill, sors de cette niche. C'est l'heure, Roquette t'attend au parc. Il peut attendre. Oh. Je vais plutôt faire une bonne sieste. Oh, allez, Bill. Réfléchis, t'as pas que ton flair. T'as aussi tes oreilles. Hein? C'est vrai, ça? Oui, ça s'appelle comment quand on entend déjà? Louis. T'as raison, et avec le goût, ça me fait déjà deux sens qui fonctionnent hyper bien. Et oui, et surtout, Bill, t'es beaucoup plus malin. Alors, Bill, t'es prêt à te faire aplatir? Bon, on est tous d'accord, Roquette va aller cacher l'os royal. Bill doit le retrouver pour nous prouver une bonne fois pour toutes qu'il a toujours son flair. C'est trop fastoche. Ok, alors c'est parti. Oh, chat, c'est un beau chien, chat. C'est bon. Prêt? Partez. Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite, Bill. Laisse-moi me concentrer. La vue. Regardez. Louis. Entendre. Oh, chien, beau chien, chien. Ah. Touché. Wouhou, Bill, t'es le meilleur. Ah, mais alors, mais comment t'as fait pour le trouver? Bah, disons que je me suis débrouillé et puis surtout, j'ai une super copine qui m'a donné un coup de main.
c'était top, mais il manque un truc. Le goût, tu ne t'en es pas servi. Quoi? Le goût? Ah non, pas question. Je le garde pour savourer mon os. Ah. Mais... Hé hey, c'est revenu. Ça y est, j'ai retrouvé mon flair. Waouh! Ah, ça empeste, Rocket. <rire> 20 à 19. Balle de match pour Axel. Oh. 21 à 19. Victoire d'Axel. Oh. Oh non, Bill, t'aurais pu faire attention, j'ai perdu à cause de toi. Oh, d'accord, t'as retrouvé ton flair, c'est génial. Oh. Je suis le roi du ping-pong, j'ai battu boule. Oh, oh, je m'en fiche, moi j'ai retrouvé mon Bill et il a l'air en pleine forme. Ça donne la pêche ces croquettes, hein, Bill? Non. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Oh, j'ai dit à mon client que Bill est un chien exceptionnel et super bien éduqué. Résultat, il veut absolument venir le voir. Bah quoi, c'est vrai? Bill est le meilleur. Pas vrai, Bill? Ouais, c'est clair. Oh, non, 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 Bill, c'est pas comme ça qu'on se tient quand on est bien élevé. Oh, ça va, c'est bon, pas la peine d'aboyer comme ça, je sais me tenir si je veux. Oh, elles sont sales, mes oreilles. Bon, d'accord, on reste calme, je gère la situation. Bill, tu sais comment dire bonjour, au moins? Donne-moi la patte. Eh, ça va pas, la truffe. C'est pas marqué chien-chien à sa mémère, ici. Bon sang, c'est pourtant très facile. T'as juste à tendre la patte comme ça. Allez, fais comme moi. Bah voilà, c'est bon. T'as qu'à prendre la place de Bill, papa. Moi, il a pas intérêt à manger mes nonos. Hein? Oh non, c'est fichu. J'arriverai jamais à éduquer ce chien. Ça va être la honte totale devant mon client. J'ai une idée. On pourra appeler Julie. Quand elle vient garder Bill à la maison, il se tient toujours à carreau. Ouais, tu m'étonnes. Elle me donne toujours des supers os à moelle. Je compte sur vous, Julie. Bill vous adore. Si vous pouviez faire un miracle, ce serait génial. Hein? Salut, Julie. Oh. Comment ça va? La pêche, la frite, la patate? Et mon os, il est où? Il est où? Oh, oh Bill, oh, mais arrête. Oui, oui, moi aussi, je t'aime. Alors, c'est pour éduquer ce vilain cocker que vous m'avez appelé? Un vilain cocker? Il est où que je lui croque les fesses? On va commencer par dire bonjour. Bill, donne-moi la patte. Dire bonjour? Pff, non, trop fastoche. J'ai mieux, moi. Regarde-moi ça. Je suis désolée, monsieur, mais Bill est vraiment trop génial comme ça. Il ne faut surtout pas qu'il change. Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Oh, mais c'est pas vrai. Je vais plus jamais être crédible auprès de mon client, moi. Ah, ça, avec un chien pareil, c'est bien normal. Oh, Bill, talent. Ah,
vous devriez avoir honte d'avoir un chien aussi mal poli. Si ça peut vous dépanner, vous savez, je me ferai un plaisir de m'occuper de son éducation. Tout ce qu'il lui faut, c'est un peu de poigne et une dose de bonne manière. Hein? Je vous en supplie, pas la sorcière. Non, c'est inutile, Madame Stig, je crois qu'il est irrécupérable. Mais non, au contraire, j'adore les têtes dures. C'est comme ça que j'ai éduqué le caporal. Mmh. Regardez comme il est mignon maintenant. Je sais pas trop. Ok, ça suffit. Puisque tu ne sais pas te tenir, tu vas suivre un stage de bonne manière chez Madame Stig. Et puis c'est tout. Excellente décision. Je crois que tout le quartier va me remercier. Je l'attends chez moi. Bill, pour la dernière fois, sors de cette niche, s'il te plaît. Bill, si tu acceptes de sortir de la niche, je te promets le plus gros os à moelle du monde. Ok, avec de la sauce. Bon, plus une part de foie de veau, mais c'est mon dernier prix. Je vais t'accompagner, Bill, allez, viens, c'est juste un petit cours. Oh, d'accord. Je veux bien que votre fils vienne avec nous, ça ne lui fera pas de mal. Vous, vous rentrez chez vous, par contre. Ce n'est pas un cours de bonne manière pour tout le quartier. Oui, d'accord, Madame Strict. Madame Stick. Boule, Bill, vous écoutez bien la maîtresse. Un ou deux, jeune canidé. Leçon numéro un du guide des bonnes manières, la politesse. Bonjour, Madame Stick. À ton tour, Bill. On s'essuie bien les pattes sur le paillasson avant d'entrer et on dit bonjour. Je vais vous montrer, moi, comment on dit bonjour chez les chiens. Pas les pattes, malotru. Caporal, tiens-toi bien, tu dois donner l'exemple. Et toi, Bill, donne la patte, allez. Fais ce qu'elle te dit, pense à ton os à moelle. Très bien, Bill, on va aller au salon pour la leçon numéro 2. Le maintien. La tête droite, je te prie. Les épaules droites, le dos rectiligne, les pattes bien à plat, et on ne laisse pas traîner les oreilles. Fais pas ci, fais pas ça, ça suffit, oui. Oh, allez, Bill, si tu suis ces conseils, t'auras la grande classe. On t'appellera le duc de Bill. Ça vaut aussi pour vous, jeune homme. Bon, voyons la position à quatre pattes. Oh. Les oreilles hautes, le dos droit, les pattes bien parallèles. C'est très bien. Vous voyez, on peut en faire quelque chose avec un peu d'autorité. Allez, on reprend. Alors, est-ce que tout va bien, Madame Stick? Vous croyez que c'est bien élevé, ça? D'entrer chez les gens sans prendre la peine de prévenir? Passons à la leçon numéro 3. La bonne tenue en société. Nous allons simuler un goûter avec un invité. Tu vas craquer avant la fin de ton petit stage de bonne manière, c'est sûr et certain, grosse truffe. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, croqueur d'arête. Très bien. Maintenant, montre-moi comment tu me recevrais à goûter si j'étais le client de ton maître. Ah oui, des biscuits, j'adore ça. Faute! On sert d'abord l'invité et on se sert en dernier. Parfait, goûtons maintenant. Et avec distinction. Ah, il sait même pas se tenir. Dégoûtant. Tu vas voir ce que tu vas voir, sac à puce. Oh
Oh non. Elle a avalé son sifflet. Ça va, madame aussi? Ce chien est irrécupérable. Je ne veux plus le voir chez moi. Allez, oust! Avec plaisir, espèce de vieille sorcière. Heureusement que toi, au moins, tu es bien élevé, mon caporal Ounet. Et si on passait à la leçon 4, tous les deux? Oh non! Bill, tu es prêt? Mon client va bientôt arriver. Bill! Bill, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, pas vraiment. C'est cuit pour mon os à moelle. Tu sais, Bill, c'est pas très grave si t'es pas super bien éduqué. Moi, en tout cas, je t'aime comme tu es. Super gentil, hyper sympa, et tu me fais tout le temps rigoler. T'inquiète, t'es un champion. Allez, viens, je suis sûre que tu vas faire bonne impression. Ouais, ils vont voir ce que je sais faire, nom d'un os. Alors, Bill, t'assures, hein? Tu ne lui sautes pas dessus, d'accord? Et toi, Boule, tu te tiens bien aussi, hein, s'il te plaît. Oh! Alors comme ça, c'est lui la huitième merveille du monde, hein? C'est vrai qu'il a l'air au poil. Oh! Entrez, je vous en prie. Oh! Désolé, monsieur. Il dit qu'il faut vous essuyer les pieds, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'il est super bien éduqué, votre chien. Oui, vous savez, la bonne éducation, chez moi, c'est un principe sacré. Je l'ai... Mais personnellement... il est quand même un peu sage, non? D'habitude, les cockers ont bien plus de personnalité. Moi? Pas de personnalité? Vous allez voir, monsieur le client. Toutes mes félicitations, Bill est vraiment un chien formidable. T'es comme ça, j'en avais jamais vu. D'ailleurs, je vous l'achète, votre prix sera le mien. Non, oh, mais non, c'est une blague. Ne vous inquiétez pas, je ne voudrais pas le séparer de ses maîtres. Et un os à moelle avec ta sauce préférée. Tu l'as bien mérité, mon Bill.